Oh, pardon, je vous avais pas vu. C'est réparé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me remplit de joie et d'allégresse. Autant vous dire que oui, je suis un homme heureux. Bon, comme vous avez pu le voir, la platine est réparée. Elle est réparée, on va dire qu'elle est bidouillée pour fonctionner. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé d'où vient la panne. Très exactement, je sais quel composant est en panne, je sais pourquoi il est en panne, et en potassant un petit peu avec vous tous sur le Discord et sur YouTube et puis en privé, on a pu définir un petit peu un moyen de réparer les TTX Prime, donc les TTX 01, les toutes premières générations qui avaient ce problème. J'ai vu, parce que j'ai cherché sur le net à remplacer ma platine au cas où elle serait morte, j'en ai vu des quantités phénoménales de TTX. Qui sont morts, qui ont le même problème. Et je pense qu'on peut trouver une solution pour les remettre en route. Donc si vous êtes amateur de Numark et de TTX, que les vôtres sont en panne, courage, on a peut-être une solution. Donc, pour ce qui est du problème, le problème vient donc du capteur de plateau, ça on l'a vu. Je me suis trompé dans la première vidéo au niveau de la référence que j'avais annoncé un IA 35R, c'est pas IA, c'est 1A. 1A35R. Inutile de se prendre la tête avec ce composant, il n'existe plus, n'est plus disponible ou alors à 60 € en occasion. Donc, on oublie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le composant. Alors, quand je dis démonter, je lui ai mis un coup de pince et je l'ai cassé en deux. On a donc ici le récepteur, voilà, qui est branché sur 4 pins. Et en dessous, on a une LED infrarouge qui vient donc envoyer le signal dans le récepteur en passant au travers d'un disque. Chaque fois que la lumière passe, ça compte 1, et chaque fois qu'il y a une obstruction, bah, ça ne compte pas. C'est comme ça que le plateau est détecté en rotation inverse ou normale, enfin horaire anti-horaire, et en même temps on peut savoir son tempo. Bref, le problème qui vient sur ce petit composant, c'est cette petite LED infrarouge qui est minuscule. Elle se trouve dans le bas du composant, c'est elle qui envoie la lumière. Après plusieurs tests, je me suis rendu compte que sur ma première PCB, la LED était complètement morte. C'est le cas de celle-ci. Sur la deuxième PCB, elle envoyait des informations par intermittence. Elle était cramée. Donc on avait allumé, éteint, allumé, 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 éteint, éteint, éteint. Bref, elle était cramée. Donc le problème ne vient pas de Numark. Voilà, histoire de taper un peu sur le détracteur. Le problème vient de Sharp et très certainement de son choix de LED. Je suppose qu'il y a eu beaucoup de machines qui sont tombées en panne à cause de ça. Est-ce que c'est un problème de chaleur? Est-ce que c'est un problème de vieillissement? J'en sais rien. Mais le problème vient donc de cette LED infrarouge. Donc ma première idée a été de tester différentes LED infrarouges pour voir si je pouvais renvoyer ce signal. Maintenant, comment faire pour faire fonctionner une LED infrarouge? Eh bien, tout simplement avec une alimentation stabilisée que je vais ramener, hop, à zéro. Je vais prendre une LED standard. Hop, la patte longue, c'est le plus, donc je viens mettre mon moins. Hop, viens par ici, toi. Tac. Et tac. Voilà. Normalement, même s'il y a de la lumière à côté, on devrait la voir s'allumer. Ça, c'est une LED standard, c'est pour vous montrer ce que doit faire une LED. Donc là, je vais monter ma tension. Je suis à 0 volts, je vais monter. Voilà. Je suis à 2,6 V, la LED commence à s'allumer. C'est là l'importance de l'alimentation stabilisée, c'est ce que je vous disais hier sur la vidéo où je présentais mon matériel. Voilà. Là, je baisse la tension, ma LED s'éteint, je suis à 1,26 V. Je monte un petit peu, petit à petit, elle va commencer à s'allumer. Je surveille mon écran, voilà. Là, je pense que je peux monter à 3 volts sans problème, voilà, mais si je monte à 5 volts, elle va cramer. Et ça, c'est une LED normale. Maintenant, avec une LED infrarouge, on va prendre celle-ci pour le test. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'une LED infrarouge, on ne voit pas si elle s'allume. À l'œil nu, ça ne se voit pas. Astuce, vous pouvez le voir avec un téléphone. Ce qui fait que là, en fait, je ne peux pas vous montrer qu'elle ne se voit pas, puisque comme je le filme avec mon téléphone, eh bien, vous allez la voir obligatoirement s'allumer. Alors, la polarité, normalement, elle est comme ceci. Tac. Voilà, on vérifie qu'on est toujours sur 2,8 V, ce qui est le cas.
Et si j'allume... Est-ce qu'on le voit? Oui, vous voyez? On voit ce petit point infrarouge, ce petit point violet. Ça, si vous le regardez à l'œil nu, vous ne pouvez pas le voir. Il faut obligatoirement le faire au travers d'un smartphone. Ah, et puis, il y a un angle pour que ça fonctionne correctement. Bien. On sait donc que cette LED fonctionne. Et on voit comment doit fonctionner la LED infrarouge. Donc, comme je vous disais, la LED de la TTX, elle, elle clignotait. Donc au début, je me suis dit, il faut que je trouve des LED infrarouges, mais j'ai pas envie d'attendre. Donc, qu'est-ce qui fonctionne avec une LED infrarouge, un capteur et une roulette? Je vous le donne en mille, une souris. La souris a exactement le même système, c'est-à-dire qu'on a une molette crantée qui tourne entre un récepteur et un émetteur, et elle calcule le nombre de tours pour avoir les DPI. Donc, j'ai démonté plusieurs types de LED. Voilà, ça c'est une grosse LED de molette. Et je lui ai adapté des petites pattes, j'ai coupé donc mon composant, je lui ai mis des supports, et ça m'a permis de tester plusieurs types de LED. Bon là, c'est pas le bon système, mais vous voyez le principe. Là, c'était pas bon, c'était trop gros. Il a fallu que j'aille fouiller pour retrouver des LED beaucoup plus petites. On est assez proche de l'original. Cette fois-ci, l'alignement est plutôt bon, mais par contre, on n'a plus les fixations du composant. Donc, je commence à fabriquer ça, et là je me rends compte que la polarité de la LED est inversée. Et le problème, c'est que cette LED elle a un sens. Elle est bombée d'un côté, et elle envoie donc le signal par ici. Sauf que pour qu'elle fonctionne, eh ben, il faut la souder comme ça. Ça ne marche pas. Bon, il faut que je trouve une LED infrarouge avec une polarité inversée. Et là, c'est Amiga qui vient de me sauver la vie avec une souris tank. J'avais une vieille souris tank qui me traînait, c'était une vieille PCB. Et en fait, la LED émettrice infrarouge, on la reconnaît parce qu'elle n'a que deux pattes, hein, le récepteur, lui, il en a trois. Et bien du coup, elle est dans le bon sens de polarité. Donc, j'ai récupéré ma deuxième PCB, qui n'était pas cassée. Avec une toute petite fraise, je suis venu percer la LED infrarouge à l'intérieur sans casser le support, dessouder l'extérieur, intégrer la LED infrarouge, ressouder, recoller, réaligner. Ça a été un travail de titan. Mais du coup, avec la fixation que j'ai pu conserver, eh bien du coup, j'ai pu le refixer et c'était quasiment centré. J'ai eu très très peu de boulot pour arriver à le recentrer avec le disque et que ça fonctionne. Du coup, maintenant, ça fonctionne, mais ça reste du bricolage. À terme, j'aimerais reproduire cette PCB. Voilà, le principe de la PCB, je ne vais pas reproduire la PCB exacte. Et utiliser un composant qui est beaucoup plus récent, et surtout qui se trouve beaucoup plus facilement et beaucoup moins cher, c'est-à-dire le 1A13R. Si jamais vous connaissez un type de composant encore plus récent et qui risque de durer beaucoup plus longtemps dans la durée, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour l'instant, je me dirige vers le 1A13R. Et donc, il faut refabriquer une PCB, puisque le brochage n'est pas du tout le même. Par exemple, la LED est montée à l'envers, donc si je le branche dessus, bah, tout simplement, la LED ne s'allumera pas. Et puis je crois que c'est tout. Au niveau du datasheet, on est sensiblement même, mais on a une inversion de polarité. Et ce que je voudrais, c'est reproduire ça de façon à ce que si un jour quelqu'un me dit ma TTX est en panne, j'ai besoin de la réparer, mais je suis nul en électronique, j'ai pas de fer à souder, et ben j'ai simplement à lui dire tu démontes ce composant, tu me l'envoies, et moi je te ressoude le câblage, je te refais le câblage avec un composant neuf, tu le remets chez toi, il y a les mêmes fixations, donc tu n'auras pas d'alignement à faire. Et c'est reparti, ta TTX est remise en route. La deuxième solution, ce serait carrément de tout refaire, PCB, câblage compris, et de proposer directement ce petit composant. Voilà, vous le recevez chez vous, vous avez juste à enlever l'ancien capteur, vous mettez le nouveau, et c'est reparti. Ben voilà, c'est une plutôt bonne nouvelle. Moi, je suis content parce que je retrouve mes platines. Si jamais vous avez des TTX en panne, vous savez que tout n'est pas perdu. Malgré le fait qu'on n'ait plus de SAV chez Newmark et que les pièces ne soient plus dispo, hein, ça fait 20 ans hein, maintenant. Maintenant, au bout de 5 ans, vous n'avez plus de pièces, des fois même au bout de 2 ans. Bon, bah là, je sais qu'il y a encore 4-5 ans, j'ai pu les faire réparer. Peut-être même un peu plus que ça, en fait. Mais bref, j'avais pu les faire réparer. Donc voilà. Et ça arrive à toutes les marques. Hein. Je sais que dans les commentaires, on m'a parlé de Technics. Ça n'a rien de méchant, hein. je prends pas ça mal ni rien. Mais... à l'époque, on avait le choix entre les Technics, hein, il n'y avait que les MK2. Je vous parle de ça il y a 20 ans.
La référence était les MK2. La différence, c'est que quand Newmark a sorti les TTX, on avait un moteur avec un couple énorme par rapport à la Technics. Je crois que c'est 3,7 kg pour la Newmark, donc c'est la force de rotation du plateau. Je crois que c'était 1,6 kg ou 1,8 kg pour la Technics. Et j'avais plutôt tendance à mixer bourrin, donc moi j'avais besoin d'un plateau qui soit vraiment très 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 très, très fixe. Et d'autre part, dans ma prime jeunesse, je mixais beaucoup hardcore à 200, 210 BPM, voire des fois un peu speedcore. Et du coup, j'étais bridé par la vitesse de rotation des plateaux des Technics, puisqu'elles étaient deux têtes entre 10 et 20% de pitch. Et la TTX proposait 50%, y compris sur le 78 tours, donc vous pouvez faire des rotations de dingue. Et comme j'avais bien mixé des trucs bizarres aussi, on avait ce qui s'appelait le K-Lock, qui permettait en fait de bloquer, si vous avez une musique avec une voix en fait, eh bien vous pouviez bloquer la tonalité de la voix, ce qui fait que quand vous accélérez le tempo, la voix ne part pas dans les aigus, elle est bloquée. Et quand on jouait avec ça, qu'on allait vraiment dans les extrêmes, on obtenait des espèces de sons de réverb et tout, c'était un truc de dingue. Et il n'y avait que la TTX qui pouvait faire ça. Autre chose intéressante, la TTX fonctionne à la fois en phono et en line, ce qui permettait de faire des branchements abracadabrantesques et de faire des trucs vachement sympas. Donc voilà, je ne dénigre pas Technics, mais c'est une très très bonne platine. Là, je parle de la MK2. Mais du coup, elle ne correspondait pas à mes attentes. Moi, je me suis tourné vers les TTX. Je les ai utilisées je les utilise depuis plus de 20 ans. Enfin, 20 ans cette année. Et du coup, j'en suis très 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 content. Mais effectivement, je dirais qu'en 2024, si vous voulez vous mettre au mix, vous avez intérêt de vous tourner vers des anciennes platines. Parce que les nouvelles, visiblement, ne sont pas à la hauteur de ce qui sortait dans les années 90, début 2000. Voilà, je vous embête pas plus avec mes petites histoires. En attendant, on verra. J'espère pouvoir faire une petite vidéo, faire une petite PCB, faire un petit kit de réparation le plus simple possible. Mais voilà, une lueur d'espoir pour les TTX. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.